Merci de nous accueillir ici chez vous. C'est aussi chez moi. Je suis vraiment heureuse aussi de vous accueillir. Je suis heureuse que vous nous accueillez aussi chaleureusement. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, qui a été notre leader pour les présidentielles et qui va être notre leader pour les législatives. Aujourd'hui, comme vous le savez, je me présente pour les élections législatives pour être votre députée de la 3e circonscription de Marseille. Aujourd'hui, il faut des députés à l'Assemblée nationale qui fassent remonter vos préoccupations. Ça suffit! Des centres sociaux qui ferment alors qu'on ne comprend pas pourquoi. Ou pourquoi on ferme nos centres sociaux ici? Aucune réponse. Ça suffit des logements insalubres. Un T3 à 750 euros. Des rats qui sont de partout. Nous sommes aussi des Français et nous méritons aussi d'avoir une vie saine. Nous payons tous les choses comme les autres, que ce soit les charges. Aujourd'hui, je vais être celle qui va remonter vos préoccupations au niveau national. Aujourd'hui, le Front National ne donne pas de réponse. Aujourd'hui, voilà. Dehors le Front ! Aujourd'hui, je sais aussi ce que c'est de vivre dans la précarité. Je sais ce que c'est que de vivre dans le trafic. Je sais ce que c'est que la discrimination au quotidien. Aujourd'hui, beaucoup de mes amis sont au chômage ou sont morts parce qu'ils ont été là au mauvais moment. Il ne faut pas oublier ces jeunes enfants, nos générations, qui vont être notre avenir. Aujourd'hui, il faut aussi remercier tous les parents qui se lèvent et qui élèvent leurs enfants dans ces conditions. Et qui font aujourd'hui des élèves, des futurs médecins, des futurs avocats. Merci à ses parents. Aujourd'hui, la force du peuple, c'est vous. Il va falloir vous redonner le pouvoir. Ça suffit. La force du peuple. Reprenez le pouvoir, chers citoyens. Vous êtes français, comme les autres. Et demain, allez voter. Le 11 juin, je compte sur les Rosiers. Je compte sur la 3e circonscription. Merci à vous. Je vais laisser la parole à Jean-Luc Mélenchon. Merci. Mesdames, messieurs, je vous remercie pour l'accueil que vous venez de me réserver, si chaleureux, si amical, après que ce quartier m'ait donné tant de confiance aux élections présidentielles, puisque vous m'avez placé très largement en tête de tous les candidats. La confiance est encore là. Je voudrais vous dire combien je suis fier à l'idée que vous m'avez jugé digne d'être le président de votre République. Et quand je vous vois, je pense aux miens qui, comme vous autrefois, sont venus de loin avec pour principale richesse leur grand cœur et l'espoir qu'ils ont placé dans leurs enfants. Et quand je vous propose la candidature de Sarah Swahili, je vous demande d'être fier de cette proposition. Il faut que nous élisions Sarah Swahili comme députée de la République française. Oh, à ceux qui n'ont pas voulu de vous,
parce que vous n'aviez pas la bonne religion ou parce que vous n'auriez pas la bonne couleur. Honte à eux, nous allons leur montrer que nous sommes la France de la liberté, de l'égalité et de la fraternité autour de cette femme. Moi, j'étais à Mamoudzou. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui ont été là-bas. Et je sais quelle place les femmes sont capables d'occuper dans une société pour prendre les décisions qui sont importantes pour la vie de toute la société. Vous allez élire Sarah Swahili parce qu'il nous la faut à l'Assemblée nationale. Les gens, écoutez-moi. Il n'y a aucune fatalité à la misère. Ce n'est pas vrai que l'on soit condamné à être pauvre ou à être dans la difficulté parce qu'on en serait coupable. Ce n'est pas vrai. Les responsables de ce désordre, de ces centres sociaux qui ferment, de ce chômage de masse, ce n'est pas vous. Vous n'êtes coupable de rien. Ce sont les incapables, ce sont les parasites qui prétendent organiser la société comme vous le voyez, en donnant toujours plus aux mêmes et aux riches, en espérant qu'un jour ou l'autre, il tombera des grosses miettes de la table pour que chacun ait à manger. Ce n'est pas vrai. Il faut partager la richesse. Il faut s'occuper de donner la bonne éducation aux enfants avec des écoles où on s'occupe bien d'eux. Et il faut proposer du travail à tous. Eh bien, nous sommes capables, nous, elle, moi, celle-ci, Sophie, qui est à côté de moi. Si notre programme s'applique, mesdames et messieurs, je vous demande de vous renseigner sur ce programme. Si ce programme s'applique, nous sommes capables de changer la vie de la France et de faire que chacun trouve la part de bonheur qu'il a le droit de prendre par ses efforts et son travail et son mérite. Le 11 et 18 juin prochain, comme vous le savez, après que vous ayez voté au mois d'avril pour le président de la République, cette fois-ci, nous allons voter pour élire les députés à l'Assemblée nationale. Les députés à l'Assemblée nationale, c'est eux qui votent la confiance au gouvernement. C'est eux qui votent les lois. C'est eux qui votent le budget. C'est eux qui votent le budget de la sécurité sociale. Ils ont beaucoup de pouvoir quand ils sont une majorité. Si les Français décident, les 7 millions qui ont voté avec nous la dernière fois, pour que je sois président de la République. Si ces 7 millions de personnes, c'est-à-dire vous autres ici, qui avez déjà voté pour moi à l'élection présidentielle, si vous venez et si vous votez pour Sarah Swahili, elle sera élue. Cela dépend exclusivement du fait que vous alliez le 11 et le 18 juin voter pour la désigner comme votre députée. De changer tous ces importants qui n'ont absolument rien changé à la vie des gens, sinon pour la rendre plus mauvaise. Il ne faut pas donner les pleins pouvoirs à M. Macron. Vous ne savez pas qui est cet homme. Peut-être que vous n'avez pas regardé bien ce qu'il a dit et ce qu'il se prépare à faire. Mesdames, écoutez-moi. Il a nommé comme ministre de l'Éducation nationale l'homme qui était auparavant au service de M. Sarkozy et qui a déjà supprimé 80 000 postes dans l'éducation nationale. Ces gens sont dangereux pour vous. Il faut le dire autour de vous. Il ne faut pas voter pour les gens qui veulent soutenir ce président de la République et sa politique. Et regardez bien, dans les sondages, on voit que déjà, beaucoup de Français ont compris qu'il y avait un problème. Il n'a même pas de majorité pour lui faire confiance aujourd'hui. Vous me comprenez? On a besoin de votre mobilisation.
à vous les hommes, à vous les femmes, en pensant à l'avenir de nos enfants. Il n'y a pas un seul mois, une seule année à perdre dans l'éducation de nos petits et pour changer notre vie. Les choses ont été assez mal jusque-là. Eh bien maintenant, c'est le moment de changer tout ça. On peut le faire. Alors, on va voir si tout le monde a bien compris. Pour qui est-ce qu'il faut voter ici? Quoi? On n'a pas bien entendu? Voilà. Avec le bulletin de vote, notre dignité, notre honneur de citoyen français, c'est notre bulletin de vote. Alors c'est le moment de s'en servir pour passer un bon coup de balai sur tous ces bons à rien qui ont occupé le pouvoir jusque-là.